près des milliers de fois la taille de l'homme. Au cœur de la fourmilière, on considère le titan comme une bénédiction. On idolâtre sous une coupole, les gens lui donnent leur existence en fil d'allégeance et de soumission. Rejet, il était puré, infecté au sein du mouvement perpétuel, du monstre de terre décalisé.